Salut tout le monde, c'est Thomas Rey, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour notre 15e épisode sur l'Osphere. Ah, là je pense qu'on va taper dans du lourd. On doit donc partir dans les ruines au nord de Salny. Donc Salny, c'est le petit village. Et on doit essayer de rencontrer Dianto, quoi. Apparemment le roi démon, entre guillemets, hein. Entre guillemets. Parce que c'est apparemment l'Empire qui l'appelle comme ça. Mais c'est apparemment juste un monstre qui protège ce village. Certes, c'est pas commun. Mais en tout cas, on va essayer de l'aider pour pas qu'on puisse éviter tous les blessés. Parce que je pense que ce monstre-là peut faire très mal à l'Empire. Que nous, personnellement, il ne nous a pas attaqué. Donc j'ai envie de dire tant mieux. Cool. Tant mieux, et on va voir qu'est-ce qu'on doit faire maintenant, quoi. Parce que les ruines au nord. Attendez. Les ruines au nord. Ah, bah c'est ça les ruines, je pense, mais oui. Ça doit être ça. Il y a un petit truc à prendre là, on va le mettre. Primordium. J'ai envie de mettre ça quand même. Je sais pas ce que c'est, mais j'ai envie de tester. Primordium, ça a l'air d'un truc. Le maître de la création, ça a l'air vraiment puissant ça. Ah, au niveau de la forme. Oh. Oh la vache, ça a l'air beau. C'est quel exomé qui s'appelle Primordium? Bon les amis, on va enchaîner. Ah, oh, attends, le monstre, attends, je te sauvegarde tranquillement. Voilà. Ça a l'air cool ici. Un petit monstre avec C'était juste un nuage. Un monument? Il me rappelle celui de chez nous. C'est sûrement ici que les habitants prient pour leurs proches et leurs terres. Oula. Ah. Non. Ne touche pas à ça. Un monstre qui parle, mais c'est pas un monstre. Te voilà enfin. Va-t'en si tu tiens la vie. Je veux te parler de quelque chose d'abord. On n'a rien à se dire, va-t'en ou tu es mort.
Si tu voulais vraiment me tuer, tu l'aurais déjà fait. N'est-ce pas? Je vais me retourner, mais ne bouge pas d'abord. D'accord. Je veux savoir pourquoi tu tiens tant à protéger les habitants de l'île. Parce que je suis né des prières des gens. Protéger les villageois est ma raison d'être. Je ne sais pas grand-chose sur la façon dont les monstres apparaissent, mais je crois que tu es différent des autres. Ma vie est une prière pour Salni. Mon existence suffit à prouver que ce peuple existe. C'est pourquoi je ne peux mourir. Je dois ma vie à Salni. C'est ce qui me rend différent des autres monstres. Tu veux dire que tu es né des souvenirs des prières des villageois? Des souvenirs? En tout cas, je comprends la raison de tes actions maintenant. Mon message en est d'autant plus important. Au lieu de combattre l'armée impériale, la priorité est de protéger les villageois et de te cacher avec eux. C'est moi qui décide de mes actions. Fais ce que tu veux, mais ne te mets pas en travers de ma route. Les villageois veulent tous que tu les rejoignes. Tu veux les protéger, non? Alors, entends-les, écoute leur voix qui parle à ton âme. Essaie de comprendre. La force brute n'est pas le seul moyen de protéger les gens. Il y en a d'autres. Je les entends. Les voix des villageois. Elles me disent de faire confiance à ce gamin. Tu dois vivre, Dianto. Vivre et faire en sorte que les prières des villageois soient remplies d'espoir. Très bien. Mais c'est ma décision, pas la tienne, compris? Ça me va? Viens, allons retrouver les autres. Kanata! Bonjour Lumina, bonjour tout le monde. Regarde Kanata, de la fumée s'élève à nouveau du village. Dépêchons-nous de retourner au village. L'armée impériale a repris l'attaque. Déjà, ils sont rapides les mecs. Ils ont recouvré leurs forces et leurs attaques seront plus agressives. C'est certain, pas de temps à perdre. Allons-y, Dianto. Ne me donne pas d'ordre. Kanata, tu es sûr qu'on peut se fier à lui? Je suis pas d'humeur pour une attaque dans le dos. Tu peux lui faire confiance. Il veut arrêter l'armée impériale autant que nous. Alors dépêchons-nous. Cool. C'est un membre de mon équipe, non? Écoute, je vais un petit peu visiter avant. Hein. Tiens, il y a un coffre, allez, cache ce coffre. Hein. L'élu. Ah bah enfin, putain. Enfin. Je me disais, putain, j'ai toujours pas de bâton avec au barreau. L'élu, quoi. Mate-moi ça. Avec un bâton tout pourri déjà, je fais un carton avec Obaro. Wow, le skin a changé en plus. Attends, non, le skin a changé. Je suis pas fou. Ah ouais, c'est un bâton tout pourri. Et d'un coup, tac tac tac, on change, on équipe le bâton de la folie. Il est stylé ce bâton par contre, hein. Tiens, attends, il y a un truc là. Hop. Boum. Oh là là, des gants titans quoi. Ouh, on est bon là, on est bon franchement. Ouh la vache. Ouh, c'est ce stuff méchant là. Oh, c'est quoi ça? Attends, il y a un truc violet à droite. Le pétard d'or. Allez défoncer ceux-là.
Bien joué. Oh, il est dans mon équipe. Niveau 27. Attends, je peux le prendre? Tu rigoles? Y a pas écrit qu'il a rejoint mon équipe pourtant. Je peux réellement le prendre avec moi. Wouah, truc de ouf. Attends, je vire qui alors? On prend Baro les amis, non? Au Baro, Dianto. Il est dans mon équipe. Oh là là. Oh, de la boulette. Dianto est avec moi, quoi. Franchement, c'est de la balle. Faudrait que j'y retourne ici. Je pense réellement avoir loupé des objets, quoi. Putain. Allez, de retour à Salny. Salny sous bois. Oh! Ah, il y a un village là, je peux y aller. Oh, ouais, c'est bon, c'est parti. Et là maintenant, il est dans mon équipe. J'imagine que j'ai une armée entière, un truc de ouf là. Oh! Verrons-nous un jour la fin du combat entre monstres et soldats? Il ne reste rien. Il nous reste rien que l'armée impériale ne nous ait déjà arraché. Dianto, ils sont en train de dévaster le village. Laisse-moi faire, va te trouver un endroit où te cacher. Il ressemble pas trop à un monstre, hein, vu qu'il se tient sur deux pieds déjà. Vous êtes prêts? C'est le moment. Nous allons arrêter l'armée impériale. On va se mettre tranquillement là. Si jamais il y a un fail, au moins je serai à côté. Ah oui, bon, on va essayer de se faire un peu aux attaques de Dianto. Clairement, je connais pas du tout. Dianto, il attaque. Ouais, d'accord. Qu'est-ce qu'il a en mannequin? C'est quoi mannequin? Encaisse les dégâts, grondement, frappe le sol et faire tomber. Oh putain! J'ai envie de tenter ça là. Oh stylé! J'adore ce perso. Over style. J'aime bien ce perso. Lumina, monocyme, parfait. Multicible avec la pomme laser qui est plutôt pas mal aussi. Hein. Allez, pas mal Lumina. On va pas trop s'embêter avec ça. Vas-y. Bon sang, regarde ça! Combien d'hommes vont-ils appeler en renfort? On va s'occuper du maximum, ça donnera aux villageois le temps de fuir. D'hommes, c'est des robots, c'est pas des hommes en plus. Oh. なかなかの手並みだ。僕の番だね。はい。ここは任せよ。実務を受ける。これは、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 
C'est qui, un nouveau? Eh, hey, regardez, celui-là, il ne ressemble pas à un soldat de base. Cette présence. Je ressens quelque chose. Étrange. Je ne ressens aucune hostilité émanant de lui. Battu à plate couture par une engeance comme vous, douleur et humiliation, crime et châtiment, pas un jour ne passe sans que j'y songe. On lui a vraiment mis une telle raclée? Pas que je m'en souvienne, sa rancune ne tient pas debout. Oui, c'est ça, Gears, va t'en charger. Rapporte-moi le cœur encore palpitant de ces sales traîtres. C'est lui, Gears. Il a l'air d'éter, lui, par contre. Gears, je sais pas qui il est, mais... Je sais pas d'où il vient, je sais pas quoi, je connais rien de lui, mais... Il a l'air d'éter. Merde, j'ai plus le temps. Courage. Non, non, vas-y. Attaque à mort, là. Merde. Allez, vas-y, Aérolam, il a pas l'air d'être si costaud que ça. Hein. Boum. Il est mort. Oh. Allez, il est mort. Exopac A. Ok. Je sais pas si ce boss est censé être dur. En tout cas, je l'ai défoncé, quoi. Ou alors, il y aura peut-être un round 2, quoi. Round 2! Fight! Non? Oh merde! Ah merde, d'accord. Ah, on va s'expliquer peut-être aussi, non? Même après tous ces coups, il bouge encore? Il a l'air distrait. Qu'est-ce qui se passe? Hein? Oh. Hein? Il ne s'en tirera pas comme ça. Stop, Van. Pourquoi m'as-tu arrêté? Même le général Tradeus et ses soldats ont abandonné le champ de bataille. Il y a un truc qui se passe, on dirait. Quelque chose arrive, je le sens. Tu m'étonnes. Toi aussi, Dianto. Je crois que c'est... L'heure est enfin venue. Visez la zone de forêt perdue au nord-est du village. Nous allons éradiquer les monstres de Salny. Ah ouais. Prêt? Activez l'arme à Théromite. Ah, je m'en doutais, il y avait un truc comme ça. Ça puait, ça sentait pas bon. Ah là 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 là. Oh putain, ça va faire mal. Visez et feu! Adieu le village de Salny, désolé. Saloperie d'armée impériale. Quel que soit le jeu où on joue, l'armée impériale c'est toujours les pourris. Fais un bouclier là, non! Non! Un bouclier, je sais pas, fais un truc. Bientôt, peut-être qu'il a la force. Qu'est-ce que... C'est quoi cette lumière qui tombe du ciel? Ça sent pas bon, faut sauter dans le puits, les amis. Écoutez-moi tous. Ah, va faire comme quoi. Allez au puits. Et cachez-vous à l'intérieur, vite. Pas le temps, pas de temps à perdre. Qu'est-ce qui se passe? Fais ce que te dit au barreau. Fais ce que tu dis au barreau. Si nous ne hâtons pas, nous sommes perdus. Oh! Wow.
comprends pas pourquoi ils ont pas visé directement sur le village. Ils auraient pu, je pense, hein. Bon, en se reculant un peu, mais bon. Qu'est-ce que c'est? Ces chiens d'impériaux, qu'est-ce qu'ils ont encore manigancé? Wouah, tout est cramé, quoi. Est-ce que tout va bien? Nous sommes tous saufs. C'est plutôt sains et saufs, mais bon. Nous sommes passés à un cheveu du désastre. C'est de la folie. Il ne reste rien. Je ne ressens plus rien. Pas seulement les monstres. Tout a disparu. Ce qu'il était déjà le sera à jamais. Les villageois aussi. Tous les villageois ont disparu. C'est atroce. Ils ont tous disparu. Disparu. Leur corps, leurs émotions, perdues à jamais. Pourquoi tant d'atrocités? Pourquoi créer une arme si dévastatrice? Combien de fois les humains répéteront-ils les mêmes erreurs avant de comprendre? Merveilleux! Le résultat est même supérieur à nos attentes. Félicitations, Seigneur Zemrod. Ce jour est à marquer d'une pierre blanche. Cet échec retentissant, un succès. Un échec? Mais, Seigneur Zemrod, le département technique m'avait pourtant assuré que ça tuerait les monstres. Seulement les monstres. Mais regarde tout autour de toi, tout a disparu. Tout! Ces savants bandes d'idiots! Retournons à la capitale, nous n'avons plus rien à faire ici. Ah merde! Ah! Je sais que c'est dur, mais il faut continuer à vivre, Dianto. Tu dois survivre pour que les espoirs des habitants de Sanli soient toujours là. Tu dois surmonter ta peine, il te reste quelque chose à protéger. L'île? Ah, je vois. Dianto est la personnification de tous les espoirs de Sanli, c'est ça? Dianto, tu es l'une des dernières lueurs d'espoir de ce monde. Comme Kanata. Comme Kanata? Oui, Kanata est lui aussi une source d'espoir. Shira? Eh bien, quelqu'un semble enfin apprécier notre Kanata. Dianto. Tu veux nous rejoindre? Nous voulons ramener l'espoir dans ce monde. Dianto. Je vivrai en portant les émotions des habitants de Sanli dans mon cœur. Je sais que je dois changer le monde pour protéger Sanli. Et je sais aussi que c'est impossible seul. Alors je vais tenter ce voyage. Je vous rejoins pour pouvoir protéger l'île de Sanli de mon mieux. Content de l'entendre. Dianto a rejoint votre équipe. Là, c'est réellement écrit. Kanata, j'ai une suggestion. Je t'écoute. Que cela nous plaise ou non, l'Empire est extrêmement puissant. La résistance a ses limites. Tu peux en voir la preuve tout autour de toi. On a déjà vu cette lumière avant. Vous croyez que ce pourrait être? Peut-être. Non, c'est sûr, tu as raison.
ils ont utilisé de la théromite. On sait qu'elle efface tout. Même les choses disparues, elle doit faire partie de la composition de leurs armes. De leurs armes, plutôt. S'ils développent cette technologie pour produire ces armes en masse, ils ne vont pas hésiter à les utiliser. La théromite élimine les monstres, mais aussi les souvenirs. Si on obtenait une audience auprès de l'empereur, on pourrait arrêter ça. Mais tant que Zemmourud est entre lui et nous, ce sera difficile. Je suggère donc de nous rendre au royaume de Grazia. Grazie. Grazie? J'ai déjà entendu ce nom. C'est la seule nation qui peut tenir tête à l'Empire. Si on parvenait à les convaincre de nous aider, ce serait un pas en avant. Si, et seulement si. J'en reviens pas. Pourquoi? C'est la première fois que je t'entends faire une proposition optimiste. On ne sera pas forcément les bienvenus à Grazia. J'hésite à donner une quelconque opinion. Je ne suis pas très au courant de la politique actuelle. Qu'est-ce que tu en penses, Shira? Il faut éviter de se faire des illusions. Grazia est une grande nation, mais pas aussi puissante qu'elle ne l'était jadis. Et même une grande nation ne consentirait pas forcément à nous aider. Mais avec Kanata de notre côté, c'est possible. Même avec Grazia. Grazia! Je suis prêt à parier que c'est possible. Shira, je... Très bien. Entendu. Dans ce cas, allons à Grazia. Van, on va suivre ta suggestion. La majorité du continent à l'est appartient à Grazia. Hissons les voiles dans cette direction et accostons dès que possible. Ah la vache. Tout qui a cramé. Tout. Ah ouais. Waouh. La colonne de spirit du feu est emplie de l'énergie des souvenirs. Le pouvoir scellé d'Eredis Fata s'est réveillé. Cool. Vous pouvez maintenant utiliser invocation divine. What? Ah oui, d'accord. Le pilote modèle de l'exomèque de Van. La réussite de l'invocation divine dépend de la spirit de compétence équipée. Wow. Lors de l'invocation divine, divers effets sont déclenchés si les conditions sont réunies. La compétence de lien avec Fabulesco Éternel a été débloquée. D'accord. Encore un truc spécial ça. Faut que j'aille à l'est. En approchant en bateau par l'ouest, nous devrions y parvenir. Ah bon? Mais il a dit à l'est la dernière fois. Ah bon? Oh là-haut, il y a un item, mais c'est pas grave. Ok, très bien. Bon, et ben les amis, on va se laisser là pour ce 15e épisode. Oh la vache, qu'est-ce qu'on apprend? Incroyable, l'armée. L'armée impériale, on peut jamais leur faire confiance dans les jeux vidéo. Hein. Quelle bande de trouilles que...
Ouais, bon, bref. On va voir comment on va s'annoncer les futurs épisodes, mais. Ah, ça risque d'y avoir deux gros empires qui s'affrontent, plus nos milieux. Enfin, au milieu, plus du côté apparemment de Grazia. Ou Grazia, je sais pas trop comment ça se dit. Mais bon, en tout cas, nous, on va s'arrêter là du coup. En tout cas, j'espère que ça vous aura plu. Moi, ça va, c'était plutôt pas mal. Il n'y a pas eu de fail en plus cette fois-ci. Et notre ami Gears, il est costaud lui aussi, mine de rien. Lui, on le reverra, c'est sûr. C'est clair et net. En tout cas, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher des commentaires et des pouces bleus. Je vous invite à cliquer sur les annotations sur les écrans de fin. Et en tout cas, à très bientôt les amis. Allez, ciao, ciao, bye bye.